Eh bien, salut tout le monde, c'est MessBov13. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur FIFA 18. Donc on se retrouve tout simplement pour une équipe, mais alors là, elle est fantastique. Donc tout simplement, c'est une équipe très originale, donc vous avez jamais dû la voir en ligne, à part si vous m'avez affronté, parce que tout simplement, je pense être l'un des seuls à avoir fait cette équipe. Donc c'est moi qui l'ai créée, c'est pour ça que je pensais être l'un des seuls. Et voilà, donc tout simplement, on va aller voir cette équipe qui est justement totalement fantastique et super compétitive. Donc alors c'est parti pour la présentation de cette équipe. Donc tout d'abord vous voyez qu'il y a deux cartes fin du nerf si je me trompe pas. Ces deux cartes si vous les avez pas, ce n'est pas du tout un problème. Donc alors j'ai fait plusieurs équipes pour différents budgets et en fonction des cartes. Donc bref, donc alors le gardien ça restera toujours le même, donc c'est Farman. Après avoir testé tous les goals de Réa, Totti, Neuer, tout ce que vous voulez, c'est Farman le meilleur, je vous le dis franchement. En plus écoute, rien du tout. Et c'est justement Farman le meilleur, comme je viens de vous le dire, il y a 2 secondes. Donc ensuite, le défenseur droit, donc c'est pas Ake. Donc le défenseur droit, c'est DeAndre Yedlin. Donc j'avais 200 matchs avec lui, je l'avais mis dans un DCE ensuite. Mais franchement, Yedlin, c'est une bestiole. Franchement, il est super agréable à jouer. 93 de vitesse, il est super, super rapide. Franchement, il est bien physique, il arrive à en bouger pas mal. Et voilà quoi, il est complet, surtout que voilà, ça nous fait des petites cartes argent et c'est sympa à jouer. Donc ensuite on a Opara. Donc Opara, que dire de lui, que dire les amis, que dire. Élevé en défense, 1m88. Donc pareil, lui j'ai pas 40 matchs, j'ai environ 160 matchs. Donc tous les joueurs dans mon équipe je les avais revendus et tout ça, mais on s'en fout un peu. 89 de vitesse. 89 de vitesse, que vous voulez qu'on dise? Qu'est-ce que vous voulez qu'on dise? Force 85, détente 88 si je dis pas de bêtises, agressivité 82. Moi je vous dis Opara, Bailly, Boateng, pour moi c'est les 3 meilleurs défenseurs centraux du jeu, sans compter bien sûr les icônes, tout à fait logique. Et voilà, donc ensuite moi j'ai mis le petit Boateng, donc on le connaît, à la base c'est pareil, on le connaît, meilleur défenseur gauche du jeu sur les régulars, enfin deuxième pardon, parce que le premier c'est Alexandro. Et voilà, tout simplement c'est le deuxième meilleur défenseur gauche du jeu, et il n'y a pas de problème, hein, y a pas de problème avec Alaba, il est super méga fort. Donc une charnière Boateng, Alaba, Opara, Yedlin. Donc c'est pas une charnière, c'est une défense. Et Farman Ogon, c'est super. Donc alors, le premier fin junior, c'est Andrea Pirlo. Donc Pirlo, j'ai 5 matchs avec lui, franchement très... il m'a fait une bonne impression. 5 matchs, 1 but, une passe D. Surtout que c'était des matchs importants. Il a une puissance de frappe, franchement je sais pas quoi dire, franchement il a une puissance de frappe énorme, les passes il en rate jamais, il est de dos, il est à l'envers, il marche sur les mains, n'importe, toujours il réussira ses passes. Bon après des fois il rate, c'est normal, hein, Steam savait pas faire des passes. Le seul problème c'est franchement l'endurance qui a 53, il a une endurance que à la 80e il est mort même, je dirais. Il peut tenir tout le match mais il faut pas aller aux prolongations, je vous dis, faut pas aller aux prolongations, faut le sortir cash aux prolongations. Parce que voilà, après il fait plus le taf, sachant que Pirlo il est pas très jeune. Donc ensuite on a Kaka, c'est pareil, l'endurance, il a la même endurance que Pirlo. Donc ça serait bien que l'image s'affiche. Ah là là, les bugs J-Sport, on s'y habitue. Donc Kaka franchement il est juste énorme et il a une malchance. Il a une malchance sur lui, en 6 matchs il est censé marquer, allez, environ 10 buts. Moi je joue en MC, il est censé marquer au moins 10 buts, force 88. Puissance frappe 91, tir de loin 91, finition 88. Il est magnifique. Il a endurance 55. Lui, je trouve qu'il tient bien mieux que Pirlo. Je trouve que voilà, il a une endurance tranquille. Tranquille, il tient tout le match facile. Je vois pas de problème d'endurance. Par contre, les amis, les enroulés, tirez pas en enroulé. Tirez pas en enroulé, je comprends pas qu'est-ce qui se passe. Mais les enroulés, ça finit direct hors du stade. Je vous le dis direct. Donc, ensuite, on a Luis Gustavo. Pour moi, je vous le dis franchement, c'est l'un des meilleurs milieux du jeu. Sans compter les icônes, comme d'habitude. C'est l'un ou même le meilleur milieu du jeu. Franchement, Gustavo, moi je joue dans ma vraie équipe. Donc dites-vous que mon équipe, il y a Ronaldo, Maradona, Messi. Bon bref, l'équipe coûte 10 millions. Et dedans, je mets Gustavo. C'est vraiment pour dire qu'il est énormissime. Voilà quoi, il n'y a rien à dire. Franchement, il est complet de partout. 84 de physique, 86 de défense, tacle debout, interception. Il a tout, il a 90 de partout. Il est totalement monstrueux. Donc Gustavo, je crois que ouais, depuis le début du jeu je dois avoir 300 matchs avec lui, parce qu'il était sorti il y a 2 mois seulement. Et voilà, il est juste monstrueux. Pareil, Alexandrini, je l'ai racheté hier, parce que je l'avais revendu parce qu'il avait augmenté. Bon bref, il y avait des chutes et tout ça. 5 matchs, 4 buts, 5 passes D, sachant que je joue un MOC.
C'est la bestiole, franchement, c'est la bestiole. Ces enroulés, c'est même plus des enroulés, je sais pas ce que c'est. Mais franchement, mais Alexandrini, c'est un monstre, vous le connaissez. Donc ensuite, on a Neymar. Neymar qui a un bug sur ses stats, je comprends pas. Donc j'ai appelé eSport, ils m'ont dit, oh ouais, on sait pas comment ça se fait. Bon, comme d'habitude, dès qu'on les appelle, c'est toujours la même chanson. Donc ses buts sont bloqués. Dès que je marque, ça augmente pas les buts. Normalement, en 86 matchs, il est censé avoir environ plus de 100 buts. Et 43 passes D, donc franchement il est énorme. Tous les matchs il marque, il met des doublés, il met des triplés. Des fois il met 7 buts. Toujours, lorsque le match est bloqué, c'est lui qui va faire la différence. Pied gauche, pied droit, tête, nez, cheveux, n'importe quoi, il marque. Il est juste super fort, donc vous pouvez l'acheter en TW. Si vous n'avez pas les crédits, vous l'achetez en régular. Mais franchement en TW, ça fait... Enfin, la dernière version, elle fait la gif. Et ensuite on a Martinez. Martinez, je sais pas. Lui franchement, direct quand je l'ai vu ses stats, je me suis dit lui... Il va rentrer dans la team MLS et lui va faire du sale. Ben justement, il fait du sale. Franchement, le seul problème, si c'est tir de loin et sa petite taille. Après, sa petite taille, on s'en fout, hein, c'est que pour les têtes. Mais on s'en fout totalement sa petite taille. Seul problème, c'est tir de loin et ses 3 étoiles de geste technique. On va dire, allez, 3 étoiles, même si c'est pas forcément utile pour débuteurs. Mais le seul truc, vraiment, c'est tir de loin. Donc voilà, vous voyez la petite équipe. Donc... Il y a 100 de collectif, donc là 97 plus Martinez qui passe à 8 de collectif lorsque je vais faire les matchs, donc 98 plus l'entraîneur, faut mettre un entraîneur états-unien ou anglais, là je sais pas comment dire, on s'en fout, plus MLS et ça va passer à 100 tout tranquillement. Donc voilà, comme je vous ai dit, vous n'êtes pas obligé d'acheter Neymar. L'équipe coûte 1 250 000 avec Neymar au TW. Si vous l'enlevez, ça change tout. Donc, si vous n'avez pas Pirlo ou Kaka, vous enlevez un des deux, vous mettez Zlatan, vous le passez à MC, Zlatan, et vous êtes tranquille. Donc, si vous en avez aucun des deux, vous inquiétez pas, vous inquiétez. Bon, là, vous passez à 100 de collectif, hein, je vous le dis d'avance, lorsque vous mettez Zlatan, 100 de collectif, net, cash, hop. Donc, si vous avez ni Pirlo, ni Kaka, vous inquiétez pas, vous enlevez Kaka, vous mettez Meite, ou vous mettez Cyprien, si vous voulez vraiment un milieu... beaucoup plus, enfin plus offensif, parce que Meite, Bakayoko et Gustavo, ça fait trop défensif, on va pas se le cacher, mais voilà, vous pouvez. En défenseur central, vous mettez Ake, là vous avez 100 collectifs, très facilement, tranquillement, c'est réglé. Donc voilà, à la place de Meite, vous pouvez mettre Cyprien Boost. Franchement, Cyprien Boost, c'est quelque chose, je vous le dis, c'est quelque chose. Donc moi, en plein match, vous allez voir comment je joue, donc je joue en 4-1-2-1-2-2. Cette compo, on va pas en parler, franchement, elle est juste magnifique. Donc je mets Neymar à gauche, je mets, attendez je m'en sors pas, Gustavo en récupérateur, ensuite voilà je mets Martinez à droite, Alexandre Aigné en MOC, donc comme je vous ai dit Kaka, je le mets à droite parce que tout simplement ses enroulés c'est médiocre et je préfère faire des frappes croisées avec lui. Et voilà, du coup, c'est totalement tranquille. Donc, je vais vous mettre des petites actions de match. Et vous allez voir, franchement, cette équipe à l'œuvre. Et elle est juste splendide. Donc, voilà, les amis, j'espère que vous aimez cette vidéo. Juste avant. Le prix des équipes, j'ai oublié de vous le dire. C'est vrai que j'ai oublié de vous le dire. Donc, l'équipe avec Neymar, pas au TW. Donc, avec Neymar régulier, c'est 500 000. Et l'équipe avec Meite et Bakayoko, c'est 553 000. Et avec Ake Boost, bien sûr. Avec Ake première version. Donc, voilà, vous voyez que ça coûte pas forcément cher, on va pas se le cacher, donc c'est très raisonnable. Et franchement, c'est une équipe originale, agréable à jouer, compétitive, donc voilà, c'est tranquille. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo, si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker la vidéo. Allez, sur ce les amis, ciao tout le monde.
pour gagner.